à l'heure, attends, je t'expliquerai après le truc. Il m'arrivait un truc quand tu étais en train de me parler, là, j'étais face au guéridon. Est-ce que vous voulez bien revenir, s'il vous plaît, à votre place? Est-ce que, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, merci beaucoup. Voilà, merci. Non, mais alors, j'ai commencé à essayer de le pousser. Oui, mais ça ne revient pas. Hein. Non, il revient vers moi. D'accord. Non. Donc, personne ne force. On va juste effleurer comme ça. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette démonstration, puisque personnellement, plus ça va, plus je développe beaucoup de choses ici, et j'avoue que même en étant là tous les jours, vous m'épatez tous les jours. Est-ce que ça va? Vous avez de l'affection pour Valérie, visiblement. Est-ce que c'est possible que vous reveniez à votre place? On va pousser légèrement le guéridon pour que vous reveniez à votre place. Merci beaucoup. Vous revenez doucement. Merci beaucoup. Merci, vraiment, c'est très gentil. Est-ce que vous avez un message pour Valérie? Est-ce que c'est pour ça que vous alliez vers elle? Est-ce que vous avez un message pour Valérie? Un coup pour vous. Et il faut quand même que nous, on serre de pile. Il faut quand même le toucher. Tout. Ah ouais, bah enfin, ouais. Légèrement, mais pas... Est-ce que vous avez un message pour Valérie? Non, vous n'avez pas le message. Bon, vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on clôture la séance? Est-ce que vous voulez qu'on clôture la séance pour vous laisser tranquille ce soir? Parce que je sais que depuis 3 jours, vous êtes terriblement sollicité et que vous avez prouvé que vous avez une force incroyable. Est-ce que Valérie vous dérange? Si Valérie vous dérange, bah répondez un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que Valérie vous dérange? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? T'appuies trop. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Abandonné. Ah, je sais pourquoi il répond. Cécile va partir.